There we are. Hi. Bonjour, bonjour. 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 So I'm going to speak in French and it's going to be translated. Et voilà. 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 Je... Okay. Okay. Margaret Atwood, je ne sais pas s'il est nécessaire de vous présenter. Vous êtes née en 1939 au Canada. Votre premier roman, La femme comestible, est sorti il y a 50 ans déjà, en 1969. Vous avez publié 17 romans, 7 livres pour enfants, 10 essais, une trentaine de recueils de nouvelles et de poèmes, un roman graphique, je crois que vous en avez un autre en cours. Vous êtes diplômée d'honneur de 25 universités, donc autant dire que c'est plus de 3 vies, je pense, d'études. Vous avez reçu en 2000 le Booker Prize pour Le Tueur aveugle. Vous êtes, et je le dis, ça ne va pas vous plaire, mais vous êtes la plus grande écrivaine canadienne. Et depuis 2 ans, votre notoriété tutoie maintenant les sommets, puisque après l'élection de Donald Trump et pendant la campagne présidentielle américaine, votre roman de 1987, La Servante écarlate, est devenu le symbole du combat des femmes dans l'Amérique telle qu'elle est aujourd'hui, son adaptation en série télé. Et l'ouragan MeToo font relire votre œuvre à une lumière différente. Je suis ravie de pouvoir vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce n'est pas nécessaire de traduire. OK. J'ai compris tout ça. Merci okay. beaucoup. Merci à vous. Vous avez donc du succès depuis très longtemps, comme je le disais, mais ces dernières années, vous êtes devenue une sorte d'icône, d'oracle, voire de pitié. Je sais que vous êtes canadienne et que l'humilité canadienne vous met mal à l'aise avec toutes ces idées-là, mais comment est-ce que vous gérez ce nouveau statut? Ok. Now I need a little translation. Maintenant, juste la question. The question was, you became kind of an icon. How do you manage this new status? Okay. Well, icons invite iconoclasm, of course. So there's always that side to it, and I think at the moment we're involved in a very strange moment of history, and it is true that the La Servante Écarlate has become a visual symbol, not just in the United States but in many countries of the world. Because it is so immediately understandable. So that is due in part to the television series, as you know. So I don't know whether there's anything for me to manage. It's just, I'm here. It exists. And we have to pay a lot of attention to the political situation right now, which is unlike anything we have seen since the 1930s. Dès lors que l'on parle d'icône, il ne faut pas perdre de vue le côté iconoclaste. Donc, n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un moment très bizarre dans l'histoire. Et la Servante écarlate est devenue en quelque sorte un symbole visuel, grâce à la force de la série télévision. Un symbole visuel aux États-Unis, mais également dans de très nombreux pays à travers le monde, à cause de la force justement de cette série. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin de gérer quoi que ce soit. La série est là, elle existe. Mais surtout, ne perdons pas de vue que nous vivons une situation totalement inédite depuis les années 30. Oui. Alors, vous avez publié en janvier dernier dans un journal canadien qui s'appelle The Globe and Mail, une tribune que moi j'ai beaucoup aimée qui s'appelait « Am I a bad feminist ?» dans laquelle, entre autres choses, vous disiez « Les auteurs de fiction sont particulièrement suspects parce qu'ils écrivent sur des êtres humains et que les gens sont ambigus moralement. Le but de l'idéologie est d'éliminer l'ambiguïté. » Cette tribune était une réponse à un débat, je pense, sur lequel il n'est pas moment de s'attarder maintenant, mais vous avez été prise à partie et ça a été votre réponse, et je me demande, avec justement ce statut d'icône, est-ce que viennent des responsabilités, mais est-ce qu'un écrivain doit être responsable ou peut-il même être responsable?
Citizens are responsible. People are responsible. The difference between a self-supporting writer who doesn't have a job and the ordinary person who does have a job is that ordinary people can be fired. Our self-supporting artists are often called upon to say things that other people are afraid to say because they would lose their jobs. So in that sense, you have a special responsibility, but it is up to citizens to make moral decisions as well. It's not just artists who need to make moral decisions. And we have been living in an interesting moment for women, too. I support a platform called After Me Too, which promises safe reporting of sexual assault, third-party independent investigations, and immediate counseling. So I think those three things are necessary. But unless you have an independent investigation, which is what the accuser of Kavanaugh is asking the FBI to do, then it becomes just a point and shoot. Do you know what a point and shoot is? Bang. Les citoyens d'un pays, les gens qui vivent dans un pays ont des responsabilités. Les auteurs, les artistes qui vivent de leur art sont différents des personnes qui ont un boulot normal dans la société parce que les gens normaux peuvent, eux, être licenciés. Alors qu'un auteur qui vit de son art ne peut, par définition, pas l'être. C'est pour cela qu'ils sont souvent interpellés et qu'on leur demande de dire des choses que les gens de la rue ne peuvent pas se permettre de dire par peur de sanctions. Donc oui, ce statut nous donne une certaine responsabilité en tant qu'auteur, mais c'est également une responsabilité qui appartient aux citoyens que de prendre des décisions. Vous savez, nous vivons des moments très, très intéressants, notamment du côté de la question des femmes. Et je participe à une plateforme qui s'appelle la plateforme After Me Too, après le mouvement Me Too en Amérique du Nord, qui se propose d'abord de dénoncer, ensuite de mener des enquêtes, et ensuite d'apporter un soutien aux femmes, parce que c'est très important de pouvoir mener des enquêtes indépendantes, et c'est d'ailleurs exactement ce que l'accusatrice du nominé à la cour de Kavanaugh est en train de demander. Vous êtes une citoyenne militante, vous venez de le prouver encore une fois, et vous êtes très active notamment sur Twitter où on peut suivre toutes les causes pour lesquelles vous êtes engagée, notamment l'écologie, en dehors du droit des femmes et des droits humains en général. Je voudrais que vous nous expliquiez si vous vous considérez comme une écrivaine militante et de quelle manière votre militantisme se métabolise dans vos romans, ou même s'il a une place dans la forme romanesque. I'm not a real activist. Real activists do nothing else. It's their job. I'm a writer, and I began as a writer. I continue as a writer. But as I have said, writers like me are often asked to speak because we cannot be fired. So I'm not by vocation an activist. It's not real activists do nothing else. That's their vocation. That's what they do. I speak on behalf of certain things because I believe in them, and they are pretty limited, and it is ecological concerns. If we kill the oceans, we're dead. That's just simple. Women again, they're half the world population. Unless women engage themselves in solving these planetary problems, that's the end of us as a species. Cockroaches will do fine. It's not
You know, I'd rather have some Mozart. Cockroaches don't do Mozart. And I speak on behalf of artists because it is usually artists that are in the first line of fire when totalitarianisms wish to take over. Alors, soyons clairs, je ne suis pas une véritable militante. Les véritables militants, ce sont des gens totalement engagés, qui ont une véritable vocation et qui consacrent leur vie à leur cause. Moi, je suis un auteur, je suis un écrivain. Et bien souvent, on me demande de prendre la parole, tout simplement parce que moi, on ne peut pas me licencier. Donc, je peux prendre la parole au nom d'autres. Mais les vrais militants sont des gens qui consacrent leur vie à leur cause. Pour ma part, je prends la parole sur certains thèmes, notamment l'environnement, parce que si on continue à détruire les océans, on est mort. C'est aussi simple que ça. Je prends la parole pour la cause des droits des femmes, parce que ça représente 50% de la population, et il est temps que les femmes puissent se battre pour elles-mêmes. Et puis je prends la parole pour les artistes, parce que bien souvent les artistes sont en première ligne dès lors que les régimes totalitaires commencent à pointer le nez. Une des choses que vous décrivez très bien, je trouve, dans vos romans, c'est dans certains de vos romans en tout cas, et notamment dans La Servante écarlate, mais également dans votre dernier roman, c'est le cœur qui lâche en dernier, c'est un système d'oppression des femmes qui en fait se place dans une société pyramidale et hiérarchisée beaucoup plus globale, où en fait l'oppression des femmes n'est qu'une forme parmi une autre de violence sociétale. Est-ce que vous pensez qu'il y a des dynamiques particulières à l'oppression des femmes? Okay, every authoritarian, totalitarian government always has a policy concerning women. It's just one of the things they do. And one of the things to look for if a society is going in that direction is oppressive policies towards women. Now, I am not saying that women are by nature angelic beings. In fact, it's quite oppressive to say that. Why should they be held to a higher standard of behavior than everybody else? Women are human beings. There's a dark side to being a human being. So I'm for equality as human beings, but let it be said that human beings are not always well behaved, and neither are women. However, if bad behavior was a reason for depriving people of rights, men would be deprived of rights. That seems to me simply logical. Tout régime totalitaire, tout régime autoritaire a en place une politique à l'égard des femmes. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut les détecter assez rapidement. Dès lors qu'ils commencent à mettre en place des politiques à l'égard des femmes, on sait qu'on se dirige vers le totalitarisme. Et je ne suis pas en train de dire, attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes sont des anges, hein, soyons clairs. Toute femme a également sa part d'ombre. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les femmes seraient tenues à mieux se comporter que le reste de l'humanité? Les femmes sont des êtres humains. Et comme tout être humain, elles ont leur part d'ombre. Et si on devait, et quelquefois, il peut leur arriver également d'avoir des comportements qui ne sont pas les bons comportements. Mais si on commençait à sanctionner les bons comportements, alors croyez-moi, les hommes non plus n'auraient pas beaucoup de droits. So there. Vous avez dit par le passé que vous avez raconté que quand vous avez commencé à écrire dans les années 70, il n'était même pas envisageable pour un écrivain canadien de devenir célèbre, et que c'est quelque chose qui ne vous traversait même pas la tête parce que l'état de la littérature canadienne était fortement dépendante soit des États-Unis, soit de l'Angleterre pour la littérature anglophone, soit de la France pour la littérature francophone. La littérature canadienne s'est énormément développée aujourd'hui, notamment grâce à vous. Est-ce que vous croyez que cette professionnalisation a été bénéfique à la littérature canadienne en tant que telle? Oh, that's a very, very complicated question. So, our generation of Canadian writers did not ever think that we would become well known or that we would be able to
live from our art was just not a thing that you thought. So it was a vocation, but it was not viewed as a profession. And therefore, we put a lot of energy into building up little publishing companies that would publish things like poetry and short stories and literary fiction. We built those publishing companies. We put energy into professional associations. We put energy into developing reading series. Quite early we did that. So we did all of that in the 60s, and now all of that exists. So as soon as you have something like that that exists, you have a lot of people who want to do it. So you have more people who want to become writers. For us, there were hardly any. People thought you were a lunatic if you wanted to do that. They thought you were next door to insane. So we did that, and now it's a profession. And once you have a profession, you're going to have professional competition. You're going to have some who succeed, some who don't. All of the things that come along with a métier in which success is possible. So beneficial in that there are more writers and the bar is higher. Detrimental in that there are a lot of people who write who do not manage that breakthrough. You know, they don't manage to become successful. So I don't know. I think it's always mixed. For us young writers in the 60s, the bar to entry was lower. The rewards were few. But once you were in the whatever literary society was there, you were in. It was easy entry. Now it's quite different. There are many more competitors. Votre question est une question à laquelle il est difficile de répondre. En fait, les auteurs de ma génération n'ont jamais pensé à la célébrité. Écrire était alors une vocation, pas du tout une profession. Nous avons, à l'époque, dépensé toute notre énergie à mettre sur pied des maisons d'édition, des petites maisons d'édition un peu artisanales, qui avaient pour vocation de publier de la poésie. On a également mis sur pied des associations d'auteurs, des cercles de lecture. Tout ça, c'était dans les années 60. Et aujourd'hui, ça existe. Ça existe, donc ça attire. Et il y a de plus en plus de gens qui sont attirés par cette profession. Nous, quand on parlait de vivre de notre plume, on nous regardait avec des yeux bizarres et les gens pensaient qu'on était à deux doigts de l'asile psychiatrique. Aujourd'hui, c'est donc une profession et c'est une profession dans laquelle on sait qu'il est possible de réussir. Le côté positif, c'est que tout cela, ça a mis la barre un petit peu plus haut, ça augmente la qualité, mais le côté négatif, c'est que certains ne parviennent pas à rencontrer le succès. Pour nous, c'était beaucoup plus simple. Il n'y avait pas du tout de barrière, il n'y avait pas de cercle, et c'était très facile de rentrer dans des cercles et des sociétés de lecture. Du coup, une des... Thank you. she makes me sound so much smarter in French. Je suis plus intelligente en français. We all are. Du coup, un des effets secondaires de l'émergence de cette scène littéraire canadienne, c'est que on vous parle aujourd'hui par Skype parce que vous êtes tellement occupé et tellement demandé que vous ne pouvez pas honorer de votre présence physique toutes les invitations. Ce personnage public que vous êtes devenu nourrit votre littérature ou est-ce qu'il se met en travers de votre métier d'écrivain? Good question. Don't worry, it will end soon. Because I won't be too old to do it anymore. But I write quite well on airplanes. So that's a plus side. Nobody can telephone you on an airplane. I'm rather dismayed to see that they now have Wi-Fi on airplanes, but I just pretend not to see it. So from that point of view, it's not difficult.
The difficult thing is always the book signings. Book signings can be quite exhausting, and they go on for a long time. But I hate to cut them off, because it's the people at the end of the line who have been standing there the longest. It seems very unfair to make them go away. Alors, pas de panique, ça va s'arrêter un jour parce que je ne rajeunis pas. J'ai un atout, j'ai un gros atout, c'est que j'ai de la facilité à écrire en avion. Et les avions, c'est bien parce qu'on ne peut pas être dérangé par le téléphone. Bon, il y a un truc qui m'agace, c'est qu'ils ont mis le Wi-Fi maintenant à bord des avions, mais je fais semblant que je ne suis pas au courant. Et donc, j'écris à bord des avions. Non, il y a une chose qui est fatigante, il y a une chose qui est usante, ce sont les séances de dédicaces et de rencontres avec les lecteurs. Ça peut être très fatigant parce que ce sont des séances qui peuvent durer très longtemps, mais jamais je ne me permettrai de les écourter parce que les gens ont fait la queue et les derniers qui passent, ce sont ceux qui ont attendu le plus longtemps, et ce serait pas juste en fait de partir sans les rencontrer. Et est-ce que cette implication dans la vie civique nord-américaine, disons, vous inspire comme romancière? Wow. So there's an interesting development in literature, because people send me a lot of books. When I wrote the Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, there were hardly any dystopian fictions, and hardly any by women. And now there is a wave of them, there are a lot of them, and I think that is because younger people are looking at the future and they are not feeling happy about it. They're not feeling happy about it politically, and they are not feeling happy about it economically, and they are not feeling happy about it ecologically. So we live in an era of literary dystopias. So I think it's not a question of whether it inspires me. I think it's a question of whether it inspires younger writers. And the answer is yes. They are very energized by this moment that we find ourselves in, and they are writing about it. Nous vivons aujourd'hui... Sorry. Yes, I'm getting too old to deal with all of this, but they're not. They're not too old yet. They can do it. Nous vivons aujourd'hui un moment très intéressant sur la scène littéraire. Lorsque j'ai écrit La Servante Écarlate, il n'y avait pas de roman de dystopie qui existait, pas vraiment, et en tout cas pas écrit par des femmes. Mais aujourd'hui, les jeunes regardent vers l'avenir et ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux de l'avenir qui leur est proposé au niveau économique, au niveau politique, au niveau de l'environnement. Et tout cela, ça donne naissance à cette dystopie ou cette littérature de la dystopie. Parce que les jeunes sont pleins d'énergie, ils voient ce qu'on leur promet pour demain. Et ils écrivent. Moi, je sais à ça que sert cet engagement dans la vie civique. Moi, je commence à être un petit peu âgée pour gérer tout cela, mais les jeunes, eux, sont pleins d'énergie. Est-ce que vous avez le temps d'être un mentor pour des jeunes écrivains? Je sais que vous vous intéressez beaucoup à ce qui se fait en littérature aujourd'hui, aux livres qui sont publiés. De quelle manière est-ce que vous utilisez votre pouvoir pour les aider? So I read a lot of books, and I put the ones that I want to put up. I put them on Twitter, and when I put them on Twitter, I put usually a URL that you can push, and that leads you to the publisher's website or to some place where you can buy the book. So it's like a little mini notice that you can put up about the book. And since it is a publication, Twitter is a publication, that publication can be quoted. So what typically happens is if I do that, I then get a letter from the publisher saying, can we quote you?
Well, of course you can, because a publication is anything you put out in public. So that's how it works. If I were really energetic, I would write a book blog in which I would review these books. But I'm not that energetic. Lots of people do that, however. Alors déjà, on m'envoie beaucoup de livres et je lis énormément de livres. Et bien pour les livres que j'aime, ce que je fais, c'est que j'en parle sur Twitter avec un lien qui renvoie soit à la maison d'édition, soit à un magasin dans lequel vous pouvez acheter le livre. C'est une publication. Twitter est un outil de publication, c'est-à-dire de rendre un message public. Dès lors que c'est un message public, ce message peut être cité. Et dès que j'ai publié sur Twitter le nom d'un auteur ou la référence à un ouvrage, souvent la maison d'édition m'appelle en me disant « Est-ce qu'on peut vous citer ?» Et bien entendu qu'ils peuvent, puisque c'est public. Si j'avais un peu plus d'énergie, j'animerais un blog littéraire, un blog sur les livres. Malheureusement, je n'ai pas cette énergie, mais ne vous inquiétez pas, d'autres l'ont. Vous venez de parler de Twitter et vous êtes en ce moment très présente à l'image à travers deux de vos romans qui ont été adaptés en série récemment, La Servante Écarlate et Elias Grace. Et vous avez écrit le dernier roman qui est paru en français de vous, qui s'appelait Le cœur lâche en dernier, a été écrit dans un premier temps pour un site internet, il me semble, sous forme de roman feuilleton. Je voudrais savoir de quelle manière voir votre travail adapté en série ou l'omniprésence maintenant du récit sériel influence votre manière d'écrire, si il l'influence. So this streamed television series is a new development, and it has been greatly beneficial to the writers of novels. Because when the only platform was a traditional piece of cinema, it was much harder to encompass a longer story, a longer or more complicated story, or a series. So you could have a television series, and that started to happen with literary works in the 80s and 90s, I think. In France, you had Les Rois Maudits, which was such an enormous success and has been done a couple of times. But these streamed series that people can watch on their computers or their own home screens, that has actually slanted things more in favor of women and things that women might want to watch. Because when you went to the cinema, it was often the boyfriend who said what you were going to see. Was it not? It was. But now that you can watch things on your own, you can watch things that fascinate you. And anyone can do that. So it's also allowed a lot more time. So you can take a work and give it the time that it really needs rather than squashing it into 90 minutes. So I think it's been very beneficial. Has it changed the way I write? No, not really. I always have written in fairly short chapters. And that was because I always had a lot of other things to do. I had a job, I had a kid, etc. Est-ce que ça a changé mon écriture ? Non, pas vraiment. J'ai toujours écrit avec des chapitres courts et ça n'a rien modifié. Il faut dire que bon, j'avais un gamin, j'avais un boulot, je ne pouvais pas faire autrement que d'écrire court. Par contre, on assiste aujourd'hui à une nouvelle tendance qui est la série télévisée accessible en streaming. Et ça, c'est très intéressant parce qu'avant, avec le format cinéma, il était quasiment impossible de développer un narratif long. On était obligé de le condenser. Et puis dans les années 80-90, on a eu la véritable explosion des séries à la télévision. Ça avait commencé avant, avec par exemple en France, vous aviez eu une série qui a été un gros succès qui s'appelait Les Rois Maudits.
Mais les années 80-90, c'est vraiment l'explosion de la série télévisée, qui déjà donnait plus le temps de développer un récit. Mais je crois que l'apparition des séries en streaming sur l'écran de votre choix, au moment de votre choix, c'est très favorable aux femmes, en fait. Parce que avant, quand on allait au cinéma avec son petit copain, qui est-ce qui décidait du film ? On est d'accord. Donc, le fait de d'avoir ces séries accessibles en streaming que l'on peut regarder où on le souhaite, quand on le souhaite, ça permet de les regarder seul. Et en plus, côté auteur, ça donne à l'auteur le temps de développer un narratif plus long, ce qui était compliqué avec le format réduit du cinéma. Est-ce que vous avez l'impression que... j'imagine que vous regardez des séries vous-même. Est-ce que vous avez l'impression que la série est un bon média pour stimuler la fibre militante des femmes, des gens, des hommes, des enfants ? La série La Servante Écarlate, c'est ça ? Celle-ci et les autres ? Le format même de série ? Oui. Pour La Servante Écarlate, je suis un exact consulting, something or other. I'm an executive consulting something. What does that mean? It means I read the scripts. Okay, I read the scripts ahead of time and I make notes on them. It doesn't mean that they have to do what I say. The author in that situation doesn't have that power, but it does mean that I'm involved with it and I talk a lot with the, do you know what showrunner is? Showrunner. Bien sûr. Yes. So I talk with the showrunner. His name is Bruce Miller. He introduces himself by saying, "Hi, I'm Bruce Miller. I'm the showrunner for The Handmaid's Tale, and I have one penis too many. But I hired a lot of women," and that's true. He works with a lot of women, but he is the showrunner. He wanted to be that ever since he was 19 years old. So yes, I'm involved with it, and I've seen it develop in series two. They are really building in contemporary politics a lot and contemporary issues. So now that they are beyond the book, they can be quite responsive both to input from their audience and to contemporary events as they unfold. It's become very interesting in that way. Alias Grace, which is beautifully made, wonderful 6-part miniseries, it's not ongoing in the same way. It was more contained, but it too was reflecting the contemporary moment. It didn't set out to do that. It just happened to show at the same time as Me Too was becoming public. So those were two interesting coincidences. I didn't plan them. I did not elect Donald Trump. So, you know, it's not my fault, but it is a coincidence, and everybody involved with the show knows that they are connected with contemporary politics. Pour ce qui est de La Servante Écarlate, j'ai un titre un peu ronflant de exécutive, consultant, je ne sais pas trop quoi. En fait, tout ce que ça veut dire, c'est qu'on me transmet le scénario, que je le lis, que je renvoie ce qu'on appelle des notes au réalisateur, mais que je n'ai pas plus de pouvoir que ça. En revanche, je parle avec l'équipe, je parle avec le réalisateur. Le réalisateur est venu me voir un jour et il m'a dit, voilà, je suis un vrai mec, j'ai une grosse quéquette, mais je travaille bien avec les femmes. Et c'est vrai, il travaille très très bien avec les femmes. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est le traitement de la question politique, parce que maintenant que l'histoire est sortie du roman et qu'elle est adaptée à l'écran, elle évolue, elle s'adapte et elle est en écho avec que le moment politique, avec le moment de la société, et aussi en écho avec le public. Pour ce qui est de Alias Grace, c'est une
une aventure un petit peu différente. La série était beaucoup plus courte. Mais là encore, et c'est une pure coïncidence, je vous promets, je ne suis pas responsable de l'élection de Donald Trump, mais c'est sorti au moment où sont sorties toutes les affaires MeToo. Donc, c'est une coïncidence, mais ça permet de faire l'écho du vécu d'une société. Vous insistez régulièrement pour que votre travail soit qualifié de fiction spéculative et pas de science-fiction. Je crois que c'est d'ailleurs à cause de ça que vos livres en fait, trouvent un écho aussi flagrant dans l'actualité régulièrement et pas que ces deux dernières années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément la différence entre fiction spéculative et science-fiction? Okay. When I buy a box of cereal and it says Weetabix, I like to open the box and find that there is Weetabix inside. So I like things to be truthfully labeled. And if it said science fiction, I would expect to find a lot more invention, a lot of maybe some other planets, some things that do not actually now exist. And I think there's a difference between that kind of book and the kind of book represented by 1984 that was reflecting reality. 1984 is just 1948 with two numbers reversed. So I just like to make a difference between wonder tales set on other planets with spacesuits and so forth, which I read. I'm keen on them. I like to read about robots with souls and other things like that. I always have read them. I'm of the generation that read a lot of that in the 50s. But I like to be truthful to the prospective reader. So I don't want the reader to buy my book hoping that it will have another planet in it and to find that there isn't one. Vous savez, moi, je suis le genre de personne qui, lorsque je fais mes courses et que j'achète une boîte de céréales, si j'achète une boîte de Weetabix et que je rentre à la maison, quand je l'ouvre, je veux trouver des Weetabix à l'intérieur. C'est-à-dire que je veux que l'étiquette soit bonne et qu'on me donne la bonne information sur ce que je suis en train d'acheter. Et si j'achète un livre qui est étiqueté science-fiction, moi, je m'attends à trouver des planètes, des extraterrestres, des choses qui n'existent pas. Et c'est pas du tout la même chose que de lire un livre comme 1984. C'est pas du tout un conte de planètes et de robots que j'aime par ailleurs, hein, parce que je fais partie de la génération qui, dans les années 50, a lu beaucoup de romans de science-fiction avec des planètes qui n'existent pas, des robots qui n'existaient pas, etc. Mais je ne veux pas décevoir mes lecteurs en leur annonçant de la science-fiction qui n'est pas dans mon roman. Du coup, vous les décevez pas, mais vous les terrifiez, quoi. Parce que la puissance de vos romans, c'est qu'on sait qu'on n'en est jamais loin. Ou en tout cas, qu'on n'en a pas été loin, parce que vous puisez aussi beaucoup dans l'histoire. That's right. Yes, with the Servante d'Écarlate, I didn't put anything in it that had not already been done. So I took my examples from history or from practices that were happening at the time I wrote the book, but I didn't invent any of these details. And I could probably write a whole other book that would show you where I got each of these details. And that is the rule also for the television series, by the way. They are not allowed to simply invent things. If they're going to put something in, they have to show an example, preferably more than one, from actual human behavior and history. We're not always a very nice kind of species. We don't always treat each other very well. You may have noticed that.
Est-ce que vous réussissez à rester optimiste pour l'avenir? Of course, I'm an optimist. Otherwise, I wouldn't bother to write books. So writing a book is a very optimistic thing. First of all, you think you're going to finish it. Then you think someone's going to publish it. Then you think someone's going to read it. And then you think someone's going to understand it. That's very, very optimistic. But anyone who writes anything is proposing a future reader. It's why in my novel, Oryx and Crake, Jimmy doesn't write a Robinson Crusoe journal. He doesn't believe there are going to be any other readers. But normally, when you write something, you're postulating a future reader, even if it's only you reading your journal 10 years from now. So writing is always for the future. So when you write, you're saying there will be a future, and in that future, people will be able to read. There will be people, and they will be able to read. And that is why I was the first person to enter the Future Library of Norway project. And in the Future Library of Norway project, a forest will grow for 100 years. And in each of those 100 years, a different author from around the world will submit a secret manuscript. And those manuscripts will remain hidden until year 100. And in year 100, all of the boxes will be opened. Enough trees will be cut from the Future Library forest to make the paper, to print the Future Library of Norway. And that says, in 100 years, there will be people. In 100 years, there will be a Norway. In 100 years, people will be able to read. In 100 years, they will still be interested in reading. Amen. So it's all very, very, very optimistic. Alors, bien entendu que je suis une grande optimiste, sinon je m'embêterais pas à écrire des livres. Un auteur est par définition un grand optimiste parce que déjà il faut qu'il se dise je vais réussir à terminer mon bouquin, je vais réussir à le faire publier, je vais trouver un lecteur qui va lire mon bouquin. Et puis, en bout de course, il y aura peut-être même quelqu'un qui va réussir à le comprendre. Donc, bien sûr que je suis optimiste. L'écriture est optimiste par définition et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de faire partie du grand projet de la Bibliothèque du Futur en Norvège qui vise à planter des arbres. Chaque auteur, en fait, on est une centaine d'auteurs qui avons été contactés. Nous remettons un manuscrit. Ce manuscrit est gardé secret. Et dans 100 ans, les arbres auront poussé, on aura planté 100 arbres, ces arbres auront poussé et les manuscrits de ces auteurs seront publiés avec le papier fabriqué à partir de ces arbres. C'est quand même sacrément optimiste parce que ça veut dire que l'on compte que dans 100 ans, il y aura encore des êtres humains sur la planète, que dans 100 ans, il y aura encore un pays qui s'appellera la Norvège, que dans 100 ans, les gens sauront encore lire des livres. Donc c'est vraiment de l'optimisme à l'état pur. Bon, ben, je crois que c'est le mot de la fin, Margaret Atwood, on doit vous libérer. Vous avez plein de choses à faire. Merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps. Merci. Merci à vous, madame. Merci, madame la traductrice. C'est très bien fait. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Merci, madame Atwood. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous.